Bonjour, merci de me suivre sur ma chaîne. Chaque jour, je suis heureux de voir de nouveaux abonnés. Coucou mes amis, bon aujourd'hui on est à la poste, on va essayer d'en faire une. Et bonjour quand même, bonjour mes amis. Alors là il est bon, bah pas trop tard, ça va aller. Alors, on va essayer d'en faire une et puis bah on verra bien. Le temps est pour tout à l'heure, il fait un super soleil. Super soleil, j'ai été derrière la poste pour voir, ça chasse beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gobage, elle chasse beaucoup sur des éphémères. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a des sedges noirs et on est au mois de juin, on a des sedges noirs. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Normalement, les sedges, c'est en mois de août. Septembre, juste en octobre, mais là on est au mois de juin et on a des sedges, des petites sedges en noir, c'est incroyable. J'ai vu une grosse qui suivait une sedge, elle est montée dessus juste au bord quand j'étais derrière, c'est incroyable. Alors on parle, on y va et puis on attaque tout de suite, on n'attend pas. Allez, à tout de suite. Donc je vais vous montrer là le bétail. Alors un kilo carrément, hein. Un kilo, oh oui, 1,5 kg, hein. Voilà, regardez cette belle truite. Alors elle doit faire 12 cm, pas plus. Regardez, une belle 12 cm à tout casser. Oh oui, à tout casser, elle doit faire 12 cm. Bon, alors pour la remettre à l'eau, ça va être pas évident parce que vous voyez l'état de la rivière, comment elle est. Voilà. Alors pour remettre une truite à l'eau, je vous dis pas, ça va être la galère parce que regardez l'état de la rivière, comment elle est bien nettoyée. Alors je vais couper la caméra et puis je vais la remettre à l'eau un peu plus loin et je vais essayer de la filmer dans l'eau. Si je perds pas la caméra dans l'eau. Allez, à tout à l'heure mes amis. Alors vous l'avez vu partir dans l'eau, bon je sais pas si vous l'avez vraiment vu parce qu'elle est partie à une vitesse, mais 12 cm, presque 13 cm, mais je suppose que elle faisait presque 13 cm, une belle truite. Bon ben voilà, alors désolé que vous n'avez pas eu de combat parce que ma batterie s'est déchargée au même moment, mais vous n'aurez pas vu le combat parce que venez voir, je vais vous montrer où je l'ai faite.
voyez, j'étais là et je l'ai chopé là, donc vous n'aurez pas vu le combat parce que vous avez vu l'état de la rivière. Voilà, alors c'est pas la peine, vous n'aurez pas vu le combat. J'étais juste ici et puis je l'ai fait là. Donc ça serait nettoyé un peu, ça serait mieux. Alors je vais vous montrer quelle mouche que j'ai faite. Il faut que je la retrouve. Alors hameçon 12 en baissant, ça veut dire que c'est courbé, hameçon courbé sans ardillon. Voilà, je l'ai faite avec ça. Oh, attendez, voilà. On la retrouve, voilà, je l'ai faite avec cette mouche là. Voilà, bon, une petite truite, hein. Pas terrible, mais une petite. Coucou, me voilà. Alors nous sommes à la mairie. Voilà, je vais arrêter parce que là il est presque il est 8h32, donc je vais aller manger, hein. Et puis je vais dormir parce que je suis lessivé, hein. Voilà, bon, et puis une belle truite, hein. Une sauvage, une très belle truite, mais bon, vous avez l'état de la rivière comme d'habitude, hein, ça pourrait être bon, ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors voilà, c'est juste pour dire que encore aujourd'hui je me suis bien amusé. J'espère qu'on va voir quand elle va partir, la truite. Je sais pas trop parce que comme à la poste pour remettre les truites à l'eau, vous avez vu l'état de la rivière. Bon, on n'en parle pas dessus. Alors j'espère que vous l'avez vu partir. Alors on verra bien. Et puis voilà, alors on va aller voir notre copain, là. Vous rappelez Robert, s'il va bien, parce que lui il couche dehors, il faut penser à Robert des fois, il mange pas, il couche dehors, et nous on est à l'abri, mais lui il est pas à l'abri, hein. On va aller le voir Robert, allez venez avec moi, on va aller voir Robert, on va lui dire bonjour à Robert. Bon, allez, regardez, si vous le voyez là-bas là. Il est toujours en train de pêcher. On va aller le voir, Robert. On va lui dire bonjour quand même. On n'est pas vache. À mes abonnés, à mes amis, on va lui dire bonjour. Hé, hey Robert, comment tu vas? Ah, je suis content de te revoir. Ah, tu me fais la gueule encore. T'as rien fait? Ah, moi, j'en ai fait une. Hein. Plus que ça. Hein. Ah, t'as rien fait? T'es toujours au bouchon? Et t'as pas mis d'hameçon? Et il faut mettre des hameçons et puis un verre. Hein. T'as rien fait depuis qu'on s'est pas revu? Mon Dieu! Ben Robert, t'as pas trop froid, ça va? Hein? Non? Bon, ben c'est bien. T'as toujours ton chapeau là? Voilà. Ben Robert, il est toujours là. Vous voyez, avec son bouchon. Hein? T'as rien fait depuis que je t'ai pas revu? Ben dis donc. Bon, on va le laisser tranquille, Robert. Hein. Je te souhaite bonne chance quand même. Allez! Bonne soirée. Allez, on va le laisser tranquille. Bon, mes amis, je vais vous quitter. Hein. Et puis, on se revoit à la prochaine session. Hein. Espérons qu'on va faire des belles truites cet été. Parce que là, ça bouge un petit peu. Et je suis content parce que ça commence à revenir. Allez, je vous laisse, mes amis. Et on se rejoint à la prochaine session. Bisous et à bientôt.